Apparemment, le Poulpafon est comme le bon vin, avec les années, il se bonifie. Le festival boulonnais accueille de plus en plus de monde, il grandit et s'exporte en dehors de la côte d'Opale, mais cette expansion ne se fait pas sans beaucoup de travail en amont de la part des quelques 50 personnes qui préparent et organisent l'événement. C'est un travail très très prenant, qui se déroule dans la joie et la bonne humeur, mais c'est beaucoup de préparation, c'est des nuits blanches, c'est une implantation de sites, c'est des relations avec les groupes, et tout ça, ça prend des heures, et du coup, la vie de famille en prend aussi un coup. Alors, c'est pas par saturation, c'est juste qu'à un moment, il faut prendre sa retraite, et j'ai l'âge de la retraite. Alors, j'ai un petit pincement au cœur, parce qu'ici, on est une grande famille, il faut juste savoir que toute cette organisation, ça doit être 50, 60 personnes, mais c'est surtout une grande famille, et... Donc ce soir, voilà, je vais arrêter, il sera peut-être 5h demain matin. Et puis, il n'est pas dit que je ne vais pas pleurer dans ma voiture parce que je quitte un truc qui me tient vraiment à cœur. Lors de ces dernières éditions, l'événement a accueilli beaucoup d'artistes, renommés ou moins connus, qui sont autant de noms qui ont fait grandir le festival. On a eu Triggerfinger, par exemple, il y a quelques années, des Belges que j'ai découverts et avec qui j'ai pris une grande claque. Mad Bastard, Skip the Use, mais on a eu aussi Birdie Nam Nam dans un autre style. Jane aussi dans les découvertes, qui est passée ici, qui a explosé juste après. Les Brigitte, voilà, tout ça font partie des bons souvenirs et j'en oublie certainement. En fait, on garde de grands souvenirs. On a peut-être eu sur 9 ans, donc avec 16 groupes par soirée. Sur 9 ans, il y a peut-être un ou deux groupes, dont on ne garde pas de grands souvenirs, mais voilà, ce qui est merde, c'est minime par rapport au reste. C'est une super ambiance. Le coup de plafond continue l'année prochaine. Venez, vous allez vous éclater. Bon, si ça peut être le mot final, venez vous éclater au coup de plafond.